Et salut à tous les amis, c'est Nessim Jimin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Payback. Donc comme vous pouvez l'apercevoir au titre, je vais répondre à toutes vos questions, celles que vous m'avez posées tout simplement dans la vidéo, pas la précédente mais avant la précédente, c'est-à-dire la vidéo où je vous ai demandé de me poser vos questions. Du coup on a eu 6 commentaires. Voilà, donc on va y répondre un par un. Du coup, c'est parti. Alors, première question qui nous vient de Blue Flash. Top 3 de tes jeux préférés. Alors, pour ma part, les jeux préférés, j'en ai pas. C'est-à-dire que ça varie. Par exemple, là en ce moment, mon jeu préféré, c'est Need for Speed Payback. Parce que je suis à fond dedans, tout simplement. D'habitude c'est GTA, d'habitude c'est Fortnite, ça varie entre les modes de jeu et tout. Mais pour l'instant, top 3 je dirais GTA 5 primordial, Fortnite ou Call of Duty Black Ops 3, Black Ops 2. Black Ops 2 c'est mon préféré. Alors là, alors c'est mon préféré de tous les Call of Duty, tout simplement. C'est The Call of Duty. Donc c'est mon préféré, tout simplement. Voilà, top 3. Prochaine question, tout simplement. Alors, qui nous vient de Nazim, qui est un ami à moi, qui nous dit Xbox ou PS4. Alors pour ma part, j'ai une PS4 Pro. Donc c'est normal que je vous dise PS4. Mais personnellement j'ai testé la PS4, enfin la PS4 Pro que je possède, et aussi l'Xbox One S. Et surtout aucune grande différence. Pour ma part, je reste dans le clan de Sony, tout simplement. J'ai toujours été chez Sony. Donc je resterai toujours chez Sony, tout simplement. Et donc pour répondre à ta question, ce sera PS4. Prochaine question qui nous vient de Awicha Bugus. Tu pourras faire des vidéos en arabe. Alors, des vidéos en arabe, c'est-à-dire. Donc, moi, je pense que je vois ce que tu veux dire, des vidéos en arabe, c'est-à-dire des vidéos avec la langue courante qu'on utilise en Algérie. Donc, c'est une langue, comment dire, langue de la rue. Darja. Donc voilà, peut-être, moi j'aimerais bien, ça me dérange pas. Donc à voir avec vous, dites-le moi en commentaire tout simplement si vous voulez des vidéos en arabe. Prochaine question. Alors, encore une question de Blue Flash. Comment tu t'es découvert une passion pour le jeu vidéo? Alors tout simplement, les jeux vidéo. Alors j'y joue depuis tout petit. Déjà quand j'étais tout petit... J'ai eu la PS1, la PS2, la Xbox 360, bref, j'ai eu plein de consoles. Et depuis tout petit, j'adore les jeux. J'adore les jeux vidéo, notamment les jeux de voiture, comme vous pouvez l'apercevoir. Les jeux de voiture, les jeux de. Les jeux open space, c'est-à-dire comme Watch Dogs, GTA et tout. Qui se rapproche de la réalité surtout, mais j'aime aussi des jeux qui des fois dépassent la réalité comme Driver San Francisco ou des jeux comme ça tout simplement, comme les Call of Duty Futurist. J'aime pas trop, mais quand on commence à y jouer, on peut plus s'arrêter. Du coup, prochaine et dernière question. Alors, je connais pas cette personne, alors je vous dis Wallah. Qui nous dit GTA 5, Fortnite ou Call of Duty Black Ops 3, Black Ops 2. Donc entre les trois, franchement je sais pas quoi prendre, parce que Call of Duty Black Ops 2 je le prends si je joue en multijoueur. Si je joue solo, bah j'apprécie pas le jeu tout simplement. Fortnite bon aussi, j'aime pas jouer en solo parce que c'est facile, parce que j'ai fait plusieurs fois top 1 en solo et bah j'aime pas. J'apprécie pas tout simplement. GTA 5 aussi. Donc les trois ça se joue. Donc franchement entre les trois,
ce qui pourrait me divertir le plus longtemps, je pense que ce serait GTA V. Parce que c'est un monde ouvert, il y a une grande map et tout. Donc c'est ça. C'est ce qui tout simplement me plairait entre ces trois jeux. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo. Si vous voulez des vidéos sur Need for Speed Payback, parce que je l'ai obtenu. Alors, avant de finir cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai acheté de nouveaux jeux pour les vacances, tout simplement. J'ai eu Need for Speed Payback. J'ai eu Need for Speed Payback. J'ai eu Gran Turismo Sport, que je peux utiliser grâce au PlayStation VR. Et si vous voulez des vidéos sur PlayStation VR, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, parce que ceux qui savent pas c'est quoi PlayStation VR, c'est un casque de réalité virtuelle tout simplement. Et ceux qui n'ont pas encore compris, c'est-à-dire que vous voyez, c'est-à-dire comme vous voyez avec vos yeux, vous le voyez dans le jeu. Donc si par exemple vous êtes dans Need for Speed, vous conduisez une voiture, et ben vous avez la vue à la première personne et vous conduisez tout simplement. Je pourrais l'obtenir si vous voulez. Donc dites-moi en commentaire. Si vous voulez des vidéos sur Need for Speed Payback, n'hésitez pas à me le dire. Je l'ai fini aujourd'hui, comme vous pouvez l'apercevoir. J'ai acheté cette Koenigsegg Regera qui coûte ma foi trop cher. 800 000 dollars. C'est trop cher. Donc j'ai custom et tout. J'ai aussi une BMW M5. Une Audi R8 V10 Plus, donc j'aime bien les Audi, même les BM, une Porsche Panamera Turbo que j'utilise pour le tout-terrain, une Nissan GT-R Premium que j'utilise pour le drift. Bon, ça, c'est une épave que j'ai trouvé dehors. Donc GT-R Panamera Turbo, R8 V10 Plus, M5 Regera, tout simplement. Et j'ai aussi une autre voiture. Que j'ai acquéré, je sais pas comment. Oh, elle est pas là. C'est une Nissan Skyline de 1999, je crois. Elle vient du jeu Burnout. Non, qu'est-ce que je raconte? Underground. Donc les amis, j'ai eu ce jeu. Tout simplement, je l'ai eu en promotion 20 euros, 25 euros sur PlayStation Store. Du coup, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Du coup, je l'ai acheté. Si vous voulez des vidéos, n'hésitez pas à me le dire tout simplement en commentaire. Et aussi Gran Turismo Sport si vous voulez. Alors, je vous mettrai le lien du jeu en description si j'oublie pas. Le lien du jeu Need for Speed que vous pourrez télécharger tout simplement pour seulement 20 euros sur le PlayStation Store. Alors, allez-y vite parce que c'est une promotion et ça dure pas longtemps. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez encore d'autres questions, j'y répondrai peut-être. Donc, un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.